Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je commence un petit vlog parce que je voulais vraiment faire un taste test avec vous. Fait que dans mon récent haul d'épicerie, vous avez vu que j'ai acheté l'édition limitée de Mocha Blanc de International Delight, donc une crème que j'arrête pas d'entendre parler de tout le monde, puis en plus, elle est nouvelle. Dans le fond, c'est le même concept que Starbucks avait sorti. C'est-tu chocolat blanc ou mocha au chocolat blanc? Starbucks, l'année dernière, il en avait sorti une en même temps que cannelle et macchiato caramel. Il a sorti quelque chose au chocolat blanc. Fait que là, je viens de faire couler mon café. Ça, c'est ma tasse de transport parce que, ben, moi, je bois, comme vous savez. Là, je suis dans ma pause que je bois des jus pressés à froid le matin. Fait que là, ici, j'ai un jus d'orange, orange caracara. Fait que c'est ça. Dans le fond, la différence, c'est qu'il n'y a pas de différence. Un jus pressé à froid, ça ressemble pas à un jus d'orange, là, pas en doute. C'est loin d'être pareil. Fait que j'ai fait mousser du lait de vache avec, je te dirais, une cuillère à soupe de crème. Fait qu'on va faire le petit. Moi, je le fais toujours tourner, sinon, on dirait que la mousse, elle reste prise. Ouh! Moi, du lait chaud, je lave ça tout de suite. On n'attendra pas, là, c'est certain. Sinon, ça va cailler. Fait que, on essaye. Cheers! Ça se peut que ça soit chaud. Ouais, là, j'ai du blé à mousse. Mais, ouais, vraiment une bonne petite crémette. Bonne crème. Moi, ce que j'aime justement, c'est juste prendre ça avec une saveur, pas besoin de mettre du sucre. Ouais, je l'aime beaucoup. Puis, si j'ai à vous conseiller une bouteille d'eau transport, c'est la Hydro Flask. Je l'ai achetée là 4 ans. Attends, j'étais au. Attends, non, 3 ans. J'étais au. Parce qu'avant, moi, j'avais une Yeti. Attendez. J'avais celle-là. Fait que c'est Yeti, là. C'est une marque, quand même, une vraiment, vraiment, vraiment bonne marque. Mais leur capuchon, il y a un bébé trou pour l'aération. Puis je me suis. Quand moi, j'allais à l'université de l'UQAM, à Montréal, je prenais le train. Tu sais, je faisais auto, train, métro, marche. Puis la Yeti, ben ça, il y avait un trou d'aération. Fait que, tu sais, moindrement, quelque chose shakeait, surtout dans le métro. Mon café revolait partout. Fait que la Hydro Flask, je l'aime parce que vraiment, il n'y a pas de trou d'aération. Tu clips, ça finit là. Je la mettais dans mon sac. Elle pouvait tourner de bord longtemps. Puis jamais elle coule. Fait que Hydro Flask, moi, je l'ai pris chez Cell. Je devais en avoir dans plein d'autres magasins. Puis je pense qu'il y en a plein sur Amazon. Que vraiment, une bonne tasse. Si vous en cherchez une. Puis en plus, ils sont cute, ils sont pleins de couleurs. Fait que c'est ça. Puis update aussi, je sais pas si j'avais compté, mais mon lave-vaisselle, ici présent, ce coupable, est coupable en fait de ne plus fonctionner. Fait que je suis rendue à faire la vaisselle à la main à chaque jour. Là, hier avec Will, on s'est un peu ostiné parce que là, j'ai dit que, ben là, à chaque soir, il faut absolument faire la vaisselle. Fait que hier, il a voulu commencer. Fait que ce soir, c'est moi. Sûrement qu'il disait que j'allais faire plus de vaisselle ce soir. Je sais pas pourquoi. Il a évalué la vaisselle hier, puis il est comme, ah, je vais la faire ce soir. Je dis, moi. En tout cas, après ce blabla, on s'en va plus tard. On est rendu le soir. Fait que je m'apprêtais à faire, en fait, à tout serrer ça. Puis, je voulais vous montrer ce qu'on mange pour souper. C'est des sous-marins maison, mais comment je les fais, je vous les montre. On va commencer avec, of course, des pains à sous-marins. J'aime ça prendre les petits smalls, là. Après ça, on va se faire des lanières de steak comme ça. Ceux-là, c'est de viande chicoine. Ils sont quand même un peu épaisses, mais c'est quand même... j'aime ça comme ça. Et sinon, on aime ça prendre la viande en fondue quand on en a. Et Will va prendre avec du pepperoni. Pour ma part, je vais prendre un petit peu de champignons que je vais venir
revenir avec un demi-oignon que j'ai. Là, je cherche mon piment. En tout cas, j'ai un piment vert que je dois trouver. Après ça, Will prend ça avec juste de la mayo. Moi, je prends de la vinaigrette italienne. On va venir dans mon intérieur frais. Ah! J'ai trouvé mon piment. Will l'avait mis là. Ok, bon, j'ai trouvé. Après ça, on va couper fin de la salade. Puis on va topper ça avec du fromage mozzarella qu'on va faire griller au four. Ça va être très bon. Puis là, je vais me faire une bouteille d'eau. Will veut que je vous montre comment son assiette a l'air meilleure que la mienne. Fait que c'est sous-marin. J'ai dit qu'il y a tellement de liquide, ton pain va être tout tremble. Mais ça va être délicieux avec un couteau fourchette. Un couteau fourchette. C'est dur. Bon appétit. C'est dur. Je viens de finir la vaisselle, donc en direct de mon David City. Fait que j'ai pris... Celui-là, c'est camomille calmante. Puis, je ne sais pas si pour vous, vous avez une odeur qui est comme... Je pense que c'est le sang. La mémoire olfactive, je pense que ça s'appelle. Moi, la camomille, ça me rappelle définitivement mon voyage au Guatemala que j'ai fait en son à 4. J'ai été 10 jours dans une famille d'accueil à aller faire du bénévolat. C'était un beau voyage humanitaire. Puis, ma maman d'accueil... pour petit déjeuner, elle nous offrait toujours une petite camomille. En fait, le déjeuner puis au souper. Ok, ouais, la camomille, ça me fait vraiment rappeler mon voyage. Puis là, vous voyez en bas, déjà, si jamais vous êtes des fans de gourou comme nous, que vous en achetez souvent à l'épicerie, il existe plus gros que des packs de 4. Par contre, il faut juste que tu ailles sur le site de gourou. Puis nous, on achète des caisses de 24. Fait que ça, c'est le petit. Ben, c'est la grandeur 255. Puis, on a la grandeur 355. Fait que moi, j'attends, je me suis inscrite à l'infolettre. C'est maintenant 2 ans qu'on commande du gourou ici. Parce que ça, oui, quand il allait au Depp, on en achetait tout le temps. Puis, j'ai commencé à regarder comme, tu sais, pour se faire venir des caisses. Dans le fond, le shipping est gratuit. Puis, moi, j'attends tout le temps qu'il y ait au minimum 20. Ben, c'est arrivé que j'ai pas eu 15% de rabais, mais tu sais, comme là, il y avait 22% de rabais pour l'année 2022. J'ai déjà pogné au Black Friday, je pense, 25% de rabais, fait que ça revient... Tu sais, déjà, en achetant une caisse de 24, c'est beaucoup moins cher qu'à l'épicerie ou au dépanneur. Puis, en plus, quand il y a comme plus que 20% de rabais, ça vaut encore plus le... Tout simplement. Fait que nous, on pogne les deux grandeurs. J'ai aussi la gourou... bleu puis la gourou verte, que ça c'est mes gourous à moi, que je passe juste un petit peu moins vite. Puis ben, c'est ça que je voulais juste vous raconter. Sur ça, je m'en vais faire le montage d'un vlog que vous avez sûrement déjà vu, mais que je tarde à faire le montage. Fait que juste ça que je voulais vous conter. Bon matin tout le monde! Oui, matin c'est... Fait que j'enlève le restant des écritures, c'est ma faute. Quand vous mettez un stencil sur un verre, ne le mettez jamais au lave-vaisselle. Mon petit jus pressé à froid, aujourd'hui c'est de l'orange sanguine. Fait que tu sais, l'orange full rouge, full belle, là, ça goûte super bon. Bon! Donc, je suis un petit peu plus contente aujourd'hui, ça vient d'été. Puis là, je suis en train de me faire une petite fondue au chocolat avec banane, fraise et... J'allais dire framboise, mais c'est des raisins rouges. Puis là, je prends littéralement des petits ours Lindor pour faire justement la fondue. C'est ça mon dessert. Puis Will me demandait avec les petits toursons de faire des truffes au chocolat en fin de semaine. Et là, j'ai reçu mon case, fait que je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Bon, je me suis placée ici juste pour... unboxer le Case Me. Je l'attends depuis le 26 décembre, puis on est le 13 janvier. C'est fou. J'ai vraiment hâte de l'avoir. Bon. Hop.
petite carte pour dire merci et la bête. Ah oui, c'est vrai, ils donnent des bonbons avec ça. Mais tout un petit rocket. Fait que, ta-da-ta-da-ta-da! J'ai pris le modèle Lunar. Lunar? Puis je l'ai pris en bleu. Ah, il est vraiment nice. Je sais pas, je filais comme sûrement spirituel quand je l'ai acheté. Je sais pas, je trouvais vraiment ça cute, comme toutes les petites lunes pis tout. Comme, pis c'est en plein dans ce moment-là que j'ai recommencé à mettre mon collier. Mon collier, c'est le Moon Glow, c'est la compagnie. C'est un... Dans le fond, c'est ma lune de naissance. Fait que je trouvais ça vraiment nice. On l'a acheté au Comic-Con vraiment longtemps. Puis il est tellement beau depuis au moins 5 ans, là. Il n'y a pas de trouble. Et plus que 5. Ouais, je pense que 5 ans, je l'ai. Mais ouais, fait que tout ça pour dire que je suis bien contente. J'ai pris le code rabais de Kim de Merci si jamais, là. Vous cherchez un code, là, de... à prendre. Puis là, ben, c'est ça. J'ai pas encore mon nouveau iPhone. Parce que là, je filme avec celui qui est défectueux. Mais j'ai mon vrai sel en ce moment, c'est un iPhone, l'ancien à ma soeur. Qui est bien contente de la recevoir. Il manque juste à avoir mon vrai téléphone. Fait que je suis bien contente. Bien contente. J'avais profité du Boxing Day. Que ça fait un petit bout. Là, je m'en vais écouter la première de L'amour est dans le prix. Je suis bien contente. On se revoit sûrement comme demain là, ou un autre jour, mais juste vous dire comme que ces deux jours je filais pas, mais là aujourd'hui ça fait vraiment vraiment mieux. On dirait comme plus je me respecte, puis tu sais, comme plus que je mets des, c'est comme des, pas des barrières, non c'est pas des barrières, mais tu sais, plus que comme je m'impose des limites, on dirait que ça va mieux, tu sais, comme. Puis souvent ça arrive dans, pour moi, que faut absolument que j'aille une épreuve pour mieux réaliser comme qu'il faut qu'il se passe des changements dans ma vie. Fait que sur ce, on se reparle un petit peu plus tard. Quand? Ben, peut-être demain. J'aimerais ça voir. Demain, je suis posée peut-être... je sais pas trop faire quoi. J'essaie d'être pertinente pour vous. Bon matin tout le monde! C'est le dernier petit clip pour cette vidéo. Puis en fait, je voulais vous terminer avec mon review de Omi Cosmétique. Fait que, tu fais quoi, un bon 2 semaines maintenant que j'ai... Une semaine, 2 semaines que j'y teste. Puis je suis vraiment en amour, j'adore vraiment. Moi, j'ai 4 produits que j'ai achetés. Donc, une mousse nettoyante, que c'est toujours ça que j'utilise le soir. Elle enlève pas, par exemple, mon maquillage waterproof, là, donc mes sourcils, mes cils. Fait qu'après ça, j'utilise un eau micellaire fait pour ça. Puis après ça, le sérum, je l'utilise matin et soir. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que vraiment régulariser mon pH, je vous avouerai que c'est sûr que je suis dans une bonne passe ce mois-ci. Fait que, tu sais, habituellement, j'en ai, c'est comme pas la semaine que j'aurai des boutons. Mais je trouve que mes pores de peau sont un petit peu moins visibles. Les rougeurs, c'est sûr que comme sont là, mais sont moins présentes. Puis j'ai pas eu de gros boutons. C'est comme qui fait des ça m'arrive quelquefois d'en avoir. Ouais, fait que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Omi. Je vous le conseille. Pour le prix, moi je suis prête à repayer ça. Puis aussi ce que je pensais, tu sais, comme surtout moi, je suis pas cosméticienne, j'ai jamais fait de... Oui, j'ai beau lire des articles puis essayer de me renseigner, mais je sais jamais vraiment, tu sais, comme mon type de peau peut toujours changer, tu sais, selon le mot, la semaine du mois. Fait que c'est ça, fait que... ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur Omi. Tu sais, tout d'abord, quand tu vas sur le site de Omi, il y a comme un petit robot. Que si tu y envoies une photo de ta face comme proche d'une lumière et tout, il va analyser puis il va te sortir 3 produits que tu as besoin qu'on retrouve dans ta crème.
Ce qui fait que c'est vraiment comme un produit personnalisé à ta peau. Puis c'est ça aussi que j'aime parce que justement, quand j'allais chez Sephora, oui, ok, mettons, on me disait que, mettons, ça, c'est une marque que je voulais full essayer. Olé en Risqué. Genre, tout le monde me dit que c'est une bonne marque. Mais est-ce que c'est vraiment pour ma peau? Est-ce que j'ai vraiment pris la bonne. Tu sais, en prenant l'orange, est-ce que c'était vraiment la bonne? Puis tout. C'est bon. Puis. Je ne vais pas souvent voir une esthéticienne, ce que je devrais faire, parce que c'est vraiment des pros, des peaux, des produits pour la peau aussi, qui peuvent nous conseiller des belles choses. Mais c'est ça, je n'y vais pas souvent. Donc, c'est ça que je me suis dit, comme tant qu'à faire, au mail, j'aime ça, au mi, whatever. J'aime ça que, justement, comme il y a trois ingrédients qui sont faits pour ma peau, puis... C'est ça que je vais vous compter. Puis aussi, pour en revenir sur mon petit frigidaire, je l'aime d'amour. Il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont posé des petites questions. Ça me fait plaisir d'y répondre, of course. On m'a demandé aussi pourquoi je mettais ça dans un frigidaire. Parce que effectivement, il n'y a pas tant de monde qui font ça. Mais à la base, c'est surtout... Avant, mettre des produits dans un frigidaire, ça aide aussi à la conservation. Parce qu'un produit de visage, souvent, ça périme quand même en dedans de 4 à 6 mois, souvent. La plupart, là, pas toutes, là, je suis pas... Puis encore là, c'est sur toute réserve, ce n'est pas mon travail, j'ai pas étudié là-dedans. Mais selon mes recherches, ça aide vraiment à prévenir. Donc moi, souvent mes peaux, j'y garde pendant plus que 6 mois, tout dépendant de l'utilisation. Fait que ça, c'est sûr que ça l'aide. Il y a aussi le fait que, comme vu que c'est froid, mettons comme moi, je mets mes patchs de mes yeux plus mon rouleau de jade, ça va vraiment faire un effet rafraîchissant, un peu comme lifting, un peu, tu sais, comme ma peau va être comme full contente d'avoir quelque chose de super froid. Puis en été, ça a l'air que ça l'apaise aussi énormément. Donc, tu sais, vous pouvez trouver un petit frigidaire comme ça chez Walmart pour comme... 40-50$, tout dépendant, tu sais, moi, les noirs, assez normal. J'en ai vu à 150 pour des frigidaires de make-up. Fait que sont comme bleu pastel, puis sont écœurants, là. Ils ont un miroir, puis tout. Mais c'est ça, fait qu'il y en a à 150, si ça vous tente, mais il y en a aussi à 40. Fait que ça peut être aussi ça l'option. Fait que c'est ça que j'avais à vous jaser. Là, je finis ma routine, puis nous, on se reparle. En fait, je finis le vlog ici, puis je vais essayer d'être plus comme entertaining, tu sais, comme vraiment être plus, comme essayer de changer, de faire moins un journal intime, mais plus comme journal d'aventure. Je vais essayer d'en faire plus, puis vous apporter avec moi quand je fais plus des choses comme ça. Fait qu'on va se reprendre, on commence 2022, là. Fait que laissez-moi une petite chance. Bon, bye tout le monde, merci d'avoir écouté la vidéo, puis nous on se voit bientôt. Bye!